Parfait, il ne manque rien. J'entends le nain, on est au début ? Ah oui. Waouh. Regarde, un autre dragon. Je le vois, Atreus. Il est en la deuxième pierre. Ce château est encore plus grand que Weisergard. Oui. L'emprise du roi nain était grande. Je me demande ce qui lui est arrivé. C'est un grand mystère, même parmi les fils d'Ivaldi. Avant sa disparition, le comportement de Mod Sognir était de plus en plus imprévisible. Quoi ? Devé Grassica. La même armure que vous cherchez à présent. Bien qu'il en ait trouvé deux, je pense que le fait de ne jamais avoir trouvé le troisième matériau l'a rendu fou. Ok, prochaine à droite. Ça devrait s'ouvrir. Il va nous falloir les trois. Des ennemis devant ! Les ennemis sont forts ici. Ne baisse pas ta garde. J'avoue qu'ils sont comaques, les trucs. Je pense que sans les lames, on aurait quelques problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Non, me fais pas chier le dragon, c'est pas le moment. C'est pas mal cet enchaînement, faut que je pense à le faire plus souvent. C'est la nouvelle aptitude qu'on a débloquée, c'est faire une pause et après on attaque. Bon, par contre, ça a plus de portée parce qu'on n'utilise plus les chaînes, mais c'est beaucoup d'enchaînement. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Vu qu'il est... Ah non, vite. Parce que voilà, vu qu'il est étourdi, je voulais le rusher. Et bah merde. Je devrais m'occuper des tirs en premier. Non, si la hache ça marche. Vraiment, non. Ah si. En fait, je me fais chier pour rien. C'est bon.
faut une nouvelle pierre. On ira récupérer la pierre quand on aura la troisième clé. Parce qu'on doit être proche là, je pense. C'est pour revenir. Ouais, le debuff du gel, ouais. Surtout ceux qui tirent. Ils sont faits exprès, en fait. C'est pas pour te faire des dégâts, c'est juste pour te ralentir et après t'es dans la merde. Même les attaques runiques, elles sont ralenties. C'est atroce, quoi. Alors, on fait le tour. On fait le tour. Le pire, c'est mon enchaînement avec les lames. Avec les lames du chaos. C'est au ralenti, c'est atroce, quoi. Ah, mais je pouvais faire ça. Je pouvais faire ça. J'avais pas vu la marque au sol. Alors. Le voilà. Là, voilà. Le dragon mâle ou femelle? Je ne sais pas. Il y a bien des méthodes pour le savoir. Mais. Ça change rien. Il y a un corbeau là-bas. Va falloir d'abord libérer le dragon. Attends. Je dois bien récupérer une pierre avant. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin des nains. Déjà qu'on n'a pas de vie. On va d'abord devoir libérer le dragon, puis après on va entrer dans la forteresse. Eh ben... Ça en fait du boulot. Merde, je me suis perdu, putain. Non, c'est là. Bah, en fait... en fait, on est loin. On est loin du nain. Merde. Oh, putain. Ah tiens, il y a un coffre, là. Ah non, mais je l'ai ouvert. Mes amis, bienvenue à Koningsgard. Prenez garde au Drogar. Je tiens juste à m'assurer que... Quel genre de... Oh. Let's go. Un raccourci vers le nain, non, ça donne pas vers le nain. Okay, on est bon. Allez, let's go. Alors là, c'est bloqué. Par le dragon. On va s'amuser. On va devoir éviter les attaques du dragon pendant qu'on combat, ça c'est terrible. Attention!
truc qui est en haut. Et ça m'a touché. Très très mal placé. Très très mal placé, j'avais dit. Oh le... Oh le... Allez, debout mon frère. Il m'a fait un gros bienvenu là. Sa boule, il avait écrit bienvenue. On est pas mal là, à cet endroit. Stratégie. Peut-être mal, pas si bien que ça. On va sortir, on va sortir. Il me faut des attaques sautées quand je tombe. Je fais de la merde, je suis en train de faire de la merde. Je vais pas l'arrêter. J'ai tellement peur qu'il me défonce pendant l'animation. Il est où? Il est au-dessus. À ta gauche. Putain. Je suis pas prêt. C'est la
fin, alors. C'est la fin. Ceux-là, je pense que c'est les plus chiants. Ils peuvent cracher et ils peuvent faire du corps à corps, en fait. S'il y a des normaux qui crachent pas de poison, après t'en as qui crachent que du poison, mais ils font pas d'attaque corps à corps. Et eux, ils font les deux. Hein. Pourquoi je fais rester, ne me demandez pas. Tu as songé à une retraite stratégique ? Quel dragon qui s'en mêle, c'est horrible. Attention, derrière toi. À la vitesse. La vitesse dont il tire, quoi. Horrible. C'est bestiole, c'est horrible. Ok, on va le refaire stratégiquement. On va le refaire ça. Ok, déjà on est là maintenant. Pourquoi ? C'est parti ! Fais attention, derrière ! Bon. C'est bon. On a dû tuer tous ceux qui tiraient en fait. On a dû tuer un groupe, c'est pour ça que ça a sauvegardé. Ah, ils font chier eux. Ouais. Deux ou l'autre. Hop. Bon. Non, on va pas aller acheter une pierre en plein milieu du combat. Les Kratos. Un peu de challenge. Regarde. Ok,
crève. Oh la vache, comme il a attrapé le gosse. Oh merde. Ah. Ah, t'as pris la boule. Encore de l'électricité. C'est bon. Tu es un sacré gaillard. Avec le dragon qui facilite pas les choses, quoi. Oh, ça va. Mais oui, c'est vrai que c'est une solution aussi de dans les combats comme ça. On en tue quelques-uns, on rebrousse chemin et on va récupérer encore une autre pierre. Va falloir qu'on baisse l'eau. On vient de là, on connaît. Hein. Ouais, on connaît. J'avais même pas vu en fait. Je suis passé à côté de... du petit ruisseau. Ah, ça, non. Hop là. Hé hé. Ah. Ok. Là, on s'amuse. Pas honorable. Bon, après c'est Kratos quand même. L'honneur, bon. C'est vrai que dans God of War 4, donc dans celui-là, ça a l'air d'être le gentil. Le père attentionné qui veut protéger son fils, mais Kratos c'est un monstre, donc bon. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait. Donc à la limite, l'honneur. Pas vraiment important en fait. C'est pas censé péter ça. Ok, là on a. Je suis sûr que si on jette un truc ça pète. Je vais voir. D'accord. On va refaire ça. Ah mais ça s'accroche pas en fait. Ah. Et voilà. Ça c'est fait. Chemin là-bas. Pas mort ce con. C'est résistant, qu'est-ce qui t'arrive? T'as dû crever. Depuis 3 ans t'aurais dû crever. On est derrière une pierre. Okay. C'est bête, l'anneau il nous parle plus. J'aurais bien voulu que l'anneau que le gosse a gardé là.
Je me rappelle plus du nom de l'âme qui est enfermée dans l'anneau. J'aurais bien voulu qu'il continue à nous parler de temps en temps. Ça aurait pu être drôle. Il y a quelque chose là-haut. Ah, mais même ça, ça a pas compté. Merde, fais chier. Vu qu'on est mort. Atreus, par ici. D'accord. Ah, moi qui me posais la question. Ouais, mais encore. Ok. On ira ça un jour. Voulant que la présence de Rain attire les elfes noirs d'Elfheim, mais pure fiction. Le roi Mostognir nous protégera des bêtes comme il a toujours fait par le passé. Il parle du dragon. Oh. Qu'est-ce que... Ah, ah bah tiens, on parlait des elfes noirs. Oh merde. Vous faites chier. Ma vie. Ah, c'est son explosion. Oh la vache. Okay, stratégique. Peut-être qu'ils peuvent pas venir de ce côté. Non, ils peuvent pas venir de ce côté. Donc on peut pas faire du recul stratégique. Oh non. Là c'est la fin. Allez, arrête de faire. Non, on va peut-être l'enlever cette attaque. Non. Brûle. Esquive le dragon, esquive l'elfe noir, esquive machin. Ça, des fois, j'arrive pas. Ça cible et ça. Je peux pas tourner, genre le. Très bizarre. Oh l'elfe qui va me défoncer. Non. C'est horrible. Mais avant de les geler ou de les affaiblir, ils pourraient se rétablir en l'air après le rejet. Oui, mais ça on sait. Ouais. C'est horrible ces elfes. Enfin, surtout les hauts niveaux, là, ceux-là qu'on combat, là. Parce qu'en fait, ils arrivent à placer des bombes en dessous de leurs pieds. Hein. Donc du coup, c'est chiant quand on les attaque. Putain. Une légende autour des Dégrateurs. Un nombre tel en vérité que nous n'avons presque aucune certitude sur cette armure. Le seul attribut sur lequel on s'est c'est qu'elle offrait une protection absolue.
Un bien très précieux pour un roi si décrié, vois-tu. Et pourtant, ces terres désolées sont tout ce qui reste de lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais croire les légendes, mon garçon. Alors, en quoi est-ce qu'on peut croire? En toi-même, tes yeux, je peux tes pas réflexes. Je pouvais pas croire aveuglément à une légende vient du pari et ça paie rarement. Si tu le dis. J'ai rien oublié de l'autre côté. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non. Non, c'est bon. Au final, c'est pas très très simple non plus, hein, ici. Hein. Les ennemis sont quand même assez dangereux. Ah, là-bas, non. Ok, allez, parti. Ça. Yay. Putain, on a tout détruit, quoi, la pierre. D'accord. Et tout. Ça, c'est pareil, ça. On est trop exposé. Ça, c'est pas mal, l'explosion, à la limite. Peut-être qu'on va prendre l'explosion. La charge partiale, c'est bof aussi. J'aime pas trop. Augmente la taille de l'explosion. Augmente considérablement la taille de l'explosion. J'aime bien le cyclone. C'est vraiment représentatif de ce qu'il fait avec les lames, en fait. Parce que je crois qu'il avait plus ou moins la même attaque dans les anciens. Mais on est trop exposé, quoi. C'est horrible. Je pense qu'on va prendre l'explosion, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien ça, ouais. Je pense que c'est mieux. Combien de fois je suis mort à cause de cet enchaînement? En plus, des fois, je le fais involontairement, l'enchaînement, donc c'est chiant. Je peux pas l'arrêter. Allez, petit. Il est super joli, le dragon. Oh, il est super joli. Il est super beau. Moi, les dragons les plus jolis que j'avais vus, c'était dans Dark Souls. Certains, pas tous. Je les trouvais vraiment stylés. Mais celui-là, putain, il est joli aussi. Ils sont vachement bien. Bien fait. Alors... Forte chance d'obtenir un tout de don de défense. Non, c'est pas celui-là. Forcément d'obtenir un bonus de force et un regain de santé quand la santé de Kratos atteint un niveau critique. Non, on peut tester.
On a libéré les trois dragons. Et maintenant, on va devoir combattre les trois dragons. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. On va retourner au Nabo pour une pierre et voir ce qu'il nous dit. Oh, on va devoir faire un petit chemin. Dans Dark Souls, il y avait celui-là du premier là, celui qui est noir et qui crache de la fumée noire là. Ah, je me rappelle plus du nom. C'était très très bien fait. J'aimais bien le design avec son museau en pointe là. Il avait qu'un œil aussi, un œil rouge. C'était très assez unique. C'était pas mal. Mes amis, je tiens juste à m'assurer que vous êtes fin. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pierre de résurrection. Ah merde, j'ai rappelé. J'ai rappelé la hache. Ah, il y a un chemin là que j'ai pas libéré. En face là. J'ai loupé ça. Là. Je me demande si c'est... C'est par l'intérieur. On verra ça. Ça aussi, le sillage du Léviathan, j'ai peut-être envie de le changer. Ce laser, bon, c'est con. Non, ça fait trop con, j'aime pas. Ça, c'est pas mal. Ça aussi, enfin oui, non, ça c'est le truc qu'on utilisait au début. Il y avait un truc qui chargeait la hache avec des lasers. Ah ouais, mais non, mais c'est l'autre, en fait. Revanche de tir. Ouais. Bon. Ouais, on reste comme ça. Je me rappelle d'un dragon sur un pont de pierre, une grande porte devant la grande caverne et une montagne. C'est bon. On peut y aller. Bah, c'est pas celui-là, c'est du premier Dark Souls, non? Cet endroit est plutôt délabré. À quoi tu t'attendais? Je sais pas. Moins de ruines. La salle du trône est peut-être en meilleur état. Moins de ruines. Ah. Encore un de ce côté. Petite histoire. Starkas. Waouh. Il a beaucoup de bras. Effectivement. 6, 7, 8. Est-ce qu'il pouvait tirer avec 4 arcs en même temps? Son arme de prédilection était l'épée. Et il n'avait que 2 yeux. Mon directeur l'a remis à sa place. Il fait souvent ça. Starkas. C'est qui ça? Starkadre. Pas Starkas, Starkadre. Alors, on a un chemin par là. À droite, à gauche, au milieu.
entends ça? Non. Qu'entends-tu, Atreus? Des plaintes. Et des cris. On dirait une foule. Bah, d'anciens esprits, j'imagine. Des victimes oubliées de la folie du roi. Le bruit se rapproche. Ça ressemble presque à... des éléons! Pas eu le temps. Oh yes. Allez, prends-le. Oh, énorme. Bien, 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 tu lui as arraché la... Oh, il y a du monde derrière. Je suis mort, je suis mort. C'est horrible ce gel. C'est horrible. On peut user son armure en restant près de lui et en évitant les coups, mais il charge son épée pour une attaque verticale, mieux vaut le s'écarter. Ça c'est pas mal de le stun en fait, avec Kratos, il lui arrache l'armure. Pomo, un nouveau pomo. Ah, un regain de vie, c'est pas mal ça. Peut-être qu'on le prendra. Putain, on a déjà utilisé la pierre, quoi. La pierre de résurrection, fait chier. J'ai pas vu aussi si on avait récupéré du... des ressources de vagabond là, des parties d'armure. Comme ça on pourrait augmenter la nôtre. Bon après il y a la... l'armure du nain légendaire là qui arrive, mais je pense pas qu'on va la voir maintenant. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a encore d'autres quêtes après. Ce serait trop simple. Corbeau pas loin, je l'entends. Ouais, c'est sympa, mais... Ok, on est reparti. Oh. Alors, comment on ouvre ça? Ah, les traces de sang. Il y a un passage derrière ce trône. Un passage secret? Eh bien, ce ne serait pas une vraie salle du trône sans un passage secret. Le sang.
Ah, c'est le roi. Mode souvenir. Atreus, par ici. Ah, bah ça fait 3. Intéressant. Le roi nain, l'un des fils d'Ivaldir, régnait sur les hommes. C'était un bon souvenir jusqu'à ce qu'il commence à voir les siens mourir en rêve. Pour les sauver, il crut bon de forge, c'est à chasser des bêtes dangereuses. Il captura 3 dragons pour récolter leur ire. Tua des innocents pour leur cri. Et fut finalement tué par ces mêmes innocents devenus des Hélènes. Ça, c'est les monstres qui reviennent, les sortes de zombies. Ce qui créa le sacrifice ultime. Vous combinez les trois éléments. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai rien dit. Je devrais peut-être l'écrire. Bah, du coup, on a tout. Ce que t'as récupéré sur son cadavre. Ça doit être les 3 matériaux mythiques dont parlait Brock. Je peux dire avec certitude que ce sont les objets les plus étranges que j'ai jamais vus. Comment est-ce que Brock et Sindri sont censés forger quelque chose avec ça? Ne sous-estime pas les nains, petit. Ils sont pénibles mais pleins de ressources. Un jour, ils ont forgé une chaîne incassable avec à peine plus qu'une empreinte de chat et un crachat d'oiseau. Waouh, c'est joli ça. Frappe mortelle qui crée des petites fissures sous 4,5 maximum avant de faire apparaître une grande colonne de feu. Sous double le nombre de cibles potentielles.